Pour le poulpe, avant de le cuisiner, ils vont devoir le préparer. C'est-à-dire inciser la tête du poulpe pour la vider, la retourner comme un gant et ne pas oublier d'enlever la membrane interne. N'oubliez pas non plus de leur dire de retirer le bec. Une fois préparé, ils devront le mettre à cuire dans une casserole d'eau avec le bouquet garni et à couvert pendant 20 minutes. Une fois la cuisson terminée, ils couperont le feu mais laisseront le poulpe dans l'eau. Il terminera alors tranquillement sa cuisson et gagnera en tendreté. Il ne restera plus qu'à le couper en morceaux, mais ça, ce sera au moment du dressage. Ça va le poulpe, ça vous inspire? Non, toujours pas. Enfin, je sais pas, on verra. J'enchaîne maintenant avec le risotto. Vos amoureux vont devoir tailler les aubergines en petits dés, les saler et les laisser dégorger. Puis, les faire revenir à l'huile d'olive dans une casserole pendant 3 ou 4 minutes, avant de les réserver. Dans la même casserole, ils vont ensuite faire revenir l'oignon et l'ail, un peu d'huile d'olive, avant d'ajouter le riz. Le mélange doit cuire pendant 3 minutes, le temps de nacrer le riz. Ils verseront ensuite le vin blanc et laisseront cuire jusqu'à ce qu'il soit bien absorbé. Ils ajouteront ensuite le bouillon de légumes, petit à petit, tout en remuant continuellement. Une fois le riz cuit, ils ajouteront le beurre, le parmesan râpé, le basilic haché, les dés d'aubergine, les zestes et le jus de citron. Tout va bien jusqu'à présent? Toujours pas. Je pense que ça va être très compliqué. On va terminer maintenant avec le pesto de courgettes. Alors, vos amoureux vont devoir tailler les courgettes en deux pour en retirer le cœur. Puis, les couper en morceaux avant de les cuire à la vapeur pendant 5 minutes. Une fois les courgettes cuites, ils devront les égoutter puis les mixer avant d'ajouter les ingrédients de base du pesto. Les pignons de pin, le basilic et l'ail. Ensuite, ils assaisonneront avant de mixer le tout, puis de monter le pesto à l'huile d'olive. Pour finir, ils le mélangeront avec le poulpe. Ça va? Ça va. Bon, ça fait pas mal de choses à retenir. Ça fait beaucoup de choses. Voilà. Au bout d'une heure, tout ce que je viens de vous expliquer devra ressembler à ça. Waouh!